On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit, on va l'appeler, haul action. Hein, voilà, ça va être pas mal parce que c'est des produits qui viennent de chez Action. Donc, allez, on va commencer par ça. Alors, j'ai pas. Alors, hop, ce sont les nouvelles petites cartes. Voilà, donc. Hop. Alors, on a le petit éléphant, hop, avec les lunettes. Voilà. On a le, je crois que si je me trompe pas, c'est un paresseux. Ce sont des cartes partielles, hein. Là, c'est uniquement, voilà, tout ce que vous avez là, sur le paresseux à diamanter. L'éléphant, c'est uniquement les lunettes. Nous avons le perroquet. Voilà, comme ceci. Et nous avons le flamant rose. Voilà, donc ça, c'est la série animaux. Donc, on a une petite feuille de. On va appeler ça la feuille de route, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez les lettres des diamants à coller, enfin, la référence. Vous avez les quatre petites enveloppes, le petit toolkit de base et les diamants. Alors, on va regarder, mais il me semble que c'est juste. Il me semble que c'est juste des diamants normaux. Oui, c'est uniquement des diamants normaux. Voilà. Bon, les couleurs, elles sont chouettes. Les couleurs, elles sont sympas. Les couleurs sont sympas. Ça doit être celle du flamant rose, là, dans les. Voilà, dans les tons de rose, bien évidemment. Voilà, un petit peu de blanc et deux autres roses. Voilà. Donc ça, c'est le premier paquet. Hop, on va tout remettre dedans comme ça. Je rangerai moi après. Voilà. Voilà. J'ai trouvé les modèles plus sympas que les premières qu'ils avaient pu faire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé trois modèles différents. Donc j'ai pris les trois. Donc ensuite, dans celle-ci, c'est hop, voilà. Nous avons le cœur, donc il y a uniquement le cœur à diamanter. On a celle-ci où c'est écrit For You. Donc il y a le For, le You à diamanter, la petite fleur là, la fleur là et celle-ci. Voilà, on a un petit bouquet de fleurs. Voilà. Et on a la petite voiture rose avec les roses au-dessus. Je l'ai faite en toile, celle-ci en 30 par 40, que j'avais pris de chez Shein. Et du coup, là, voilà, j'ai la petite carte. Alors, et hop, on va regarder si c'est toujours pareil. Donc, oui, toujours la petite feuille de route. Donc en fait, les lettres sont inscrites sur les sachets de diamants. Voilà. Toujours les quatre petites enveloppes. Et les diamants, pareil, c'est là-dedans. Il y a tous les diamants là-dedans, mais c'est des diamants normaux. Donc je ne vais pas vous les montrer. Et toujours le petit toolkit de base, stylet, colle et barquette verte. Alors, hop. Celui-ci, voilà, et on a le troisième, enfin que j'ai trouvé, mais je crois qu'il y en avait quatre. Il me semble qu'il y avait quatre lots différents. Alors, hop, nous avons celle-ci, un petit cœur. Nous avons le petit papillon. Voilà, nous avons les fleurs. Et nous avons comme une enveloppe avec les fleurs qui débordent de l'enveloppe. Et il y a uniquement l'enveloppe à diamanter.
Voilà. Donc ça, il y a toujours les quatre enveloppes. Il y a toujours les diamants, le petit outil pareil et la petite feuille de route avec les lettres correspondantes aux images. Donc voici pour ces petites cartes. Ensuite, j'ai enfin trouvé, grâce au fait qu'ils aient été en semaine action, enfin, les 40 par 60, parce que ils n'avaient jamais été depuis qu'ils les avaient mis. Donc du coup, j'ai eu la chance. Et encore, c'est mon homme qui me l'a trouvé. Parce que moi, dans mon action, elle n'y était pas. J'avais trouvé les colibris et l'autre paysage aussi, avec comme un chalet. Voilà, mais celle-ci, je n'avais pas et je l'ai trouvée ailleurs. Et c'est celle-ci. Voilà. Hop. J'arrivais même pas à bien la voir. Alors, si je me recule... Non, c'est pareil. J'ai pas mis mon téléphone comme d'habitude. Et du coup, j'ai du mal. Je vais vous la montrer là. Voilà, là vous allez bien la voir. Voilà. C'est celle-ci. Et encore, il y en a un autre. Mais alors, celle-ci, l'autre, je ne l'ai jamais vu. Qui était très très beau. Dans celui-ci, on a des diamants AB. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc, on a des diamants AB. Je vais vous montrer. Alors là, non. Voilà, on a le 606. Et alors, le sachet, il est bien rempli. Hein. Nous avons du 740. Un orangé. Nous avons. On a un jaune du 307. Là, il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Et on a le 5200. Où le sachet est bien rempli. Donc je suis ravie de l'avoir enfin trouvé, celui-ci. Et l'autre, je vous dis, c'était un peu dans cet esprit-là, un peu arbre. Et je crois que je me demande même si c'était pas un cerisier qu'il y avait dessus. Je suis en train de casser les oreilles avec ces diamants. Alors, hop, on va arrêter. Hein. Voilà, ça, je l'enlève. La toile, voilà. On va la réenrouler. J'ai un creux là-dedans. Allez, c'est pas grave, je le ferai après. Et pour finir, alors, ça vient de chez Action, mais c'est ma petite Gwen... qui a sa chaîne Minimeux Diamond Painting, qui me les a trouvés. Enfin, je lui ai demandé, parce que je me suis dit que dans le mien, il n'y a jamais rien. J'avais plus de facilité à ce qu'elle les trouve, elle. C'est comme les DP de Noël hein, qu'on peut voir en ce moment. Écoutez, ma foi, j'ai fait deux actions pas trouvées. Et alors, la blague d'hier... C'est que, alors aujourd'hui on est jeudi, mais je vous posterai pour la vidéo jeudi. Mais j'y étais donc mercredi à Action. Et alors là, je me retrouve carrément avec le rayon de Noël pour essayer de trouver les DP de Noël, carrément condamné. Voilà, on n'y avait pas accès. Je demande gentiment à un monsieur qui passe par là. Je dis, oui, excusez-moi, quand est-ce que le rayon de Noël sera ouvert? Il me dit demain ou après-demain. Donc, voilà. Donc, super. Donc, je n'ai même pas pu voir s'il les avait ou pas. Ce matin, je voulais y retourner, mais j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller pour rien. Donc, je n'y suis pas allée. Voilà. Donc, je me dis, si j'ai la force, j'y retournerai. J'y retournerai samedi matin. Voilà. Et donc, elle m'a pris ceux-là. Mais je les trouve d'enfer. Voilà, j'ai pris le petit chat licorne.
celui-là. Et Gwen avait déjà fait l'ouverture, donc des diamants. Et impressionnant le nombre de strass différents qu'il y a. Oh, super! Ma barquette violette, une première barquette violette. Elle est jolie, le stylet aussi est sympa. Ça change du stylet rose et de la barquette verte qu'on a dans leur kit habituel. Voilà, il y a un petit stylet violet avec marqué emoji. Un petit pain de colle et une barquette avec un petit bec. Bon, c'est comme un bec verseur, hein, parce que voilà, ça c'est pas fermé. Donc elles vont bien glisser par là. Voilà. Et donc les strass, il y en a énormément. Comment vous dire, je vais peut-être pas tous vous les remontrer. Je vais vous montrer les beaux, quoi. Voilà. Petit cœur. On a des grosses gouttes violettes. Ça, c'est des petits. Hop. Des comme ça. Ouais, on voit bien. Bon, ça, c'est des... Il y a des micro-gouttes. Il y a des petits ronds roses. Voilà. Dans ce paquet-là. Franchement, il y en a des tonnes. Ils sont beaux. Là, les gros ronds violets. On a encore un cœur. On a des gouttes noires. Je ne les ai jamais vues. Vous voyez, pas évident à voir. Il y a plein de demi-sphères de beaucoup de couleurs différentes. Là, c'est les violettes. Et ils sont, les strass sont géniaux. Mais vraiment. Ils sont vraiment canons. Canon. Là, c'est encore des gros violets. Il y a le... Ah oui, il y a les A2. Ah oui, d'accord, c'est sur les sachets, il y a la référence, en fait. Des noirs comme ça, j'ai jamais eu non plus. Ouh, il y en a un qui est tombé. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire, franchement. Après, en termes de quantité, je sais pas comment sur quoi ils se sont basés. Bah, par exemple, les cœurs, c'est quoi les cœurs? C'est le C2. Ah non, il y a C1. Alors. Ah oui, C1, il est un peu plus grand. Donc il y a un C1. Et en C2, il y en a un là. Hop, ici, il y en a un là. Et j'en vois pas d'autres. Donc on aurait peut-être un en plus. Donc je sais pas. On verra bien quand je la réaliserai. Voilà, alors j'arrange tout ça comme ça à l'arrache. Hop, et on va ouvrir la deuxième. Hop, je mets tout ça derrière moi. Ma table va être un grand chambardement. Voilà, et donc le deuxième, c'est le papillon. Voilà, le joli papillon. Alors, là, une, hop là, deux, oh bah dis donc, vu le vert, elle était pour toi celle-là, ma copine Nathalie, les loisirs de Nanou, elle qui adore le vert, tu serais servie avec celle-là. Donc là, on a, dommage que bon, ce soit pas sorti, parce que le stylet il est rouge et la barquette elle est un peu fuchsia, donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est une autre barquette. Et on a bah, encore des super strass, quoi. Franchement, ils sont canons. Moi, j'adore. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi la taille du truc, quoi. C'est impressionnant. C'est super joli. Oh là 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 là, les verts. Oh, oh là là, j'adore. C'est enfantin, hein, je le reconnais. Hein. C'est très très enfantin, hein. Mais justement, le chat licorne et le papillon, c'était celle qui faisait peut-être le haut des cœurs. Qui faisait peut-être le moins enfantin. Des petits cœurs violets. Voilà. Et des cœurs un peu plus gros violets aussi. Oh, j'adore. Mais je suis une vraie gosse. Hein. Je suis une vraie gosse.
Et dans ceux-là, ils sont jolis ces deux-là. Oh là là. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. On a encore des violettes. C'est un ensemble de verts violets. Oh là là. Elle va être trop belle. Ça va être super sympa à faire. Donc voilà. Voilà les copains. Ce petit haul action touche à sa fin. Quoi vous dire? Qu'est-ce que j'attends? J'attends une petite commande de chez Shane où j'ai commandé 2 DP. J'ai passé une commande hier à cause de Zaz qui a sa chaîne Zaz Diamond Painting and Company. Voilà, en voyant son unboxing d'hier, et ben justement, j'ai craqué. Donc, j'ai été sur le vendeur là où elle a pris ses toiles et je me suis commandé des embouts en acier là, en métal. Et cette fois-ci, je les ai pris dorés. On les voit partout en argenté. J'ai dit, bah tiens, je vais les prendre en doré. Voilà, et je me suis pris 2 toiles avec des AB parce que c'est une boutique en fait où il y a énormément de toiles avec AB et comparé à Teen Me Arts. Son descriptif du produit est parfait. Voilà. Là, vous savez très bien si vous commandez avec des AB ou sans AB. Donc, voilà, je les ai commandés hier. Hein, donc, il va, je pense, falloir patienter 10-12 jours. Et j'ai également passé une commande chez IBA d'objets. Voilà, je vous ferai découvrir ce que j'ai pris. Et pour être transparente avec vous, du fait d'avoir commandé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur proposer un partenariat. Voilà, donc chose que j'ai fait et ils ont gentiment accepté. Donc, j'ai choisi 3 produits, voilà, en partenariat. Donc, il y en aura un qui sera pour vous, que je ferai gagner lors d'un prochain concours. Et puis, voilà, moi, c'est vrai que quand je fais des concours, eh ben, c'est... Je n'ai pas autant de partenariats que certaines. Donc, du coup, c'est vrai que quand je vous fais gagner les toiles, bah, c'est des toiles que j'ai achetées personnellement avec mon propre argent. Voilà, ce n'est pas des cadeaux que j'ai eus via un partenariat. Donc, j'essaye de faire au mieux pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour celles et ceux qui auront été jusqu'au bout. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Salut, salut.